Christian roule à 90 km par heure. Combien de minutes lui faut-il pour parcourir 36 km? Nous prenons la Terre comme corps de référence. Voici les données. La vitesse est de 90 km par heure et la distance est de 36 km. Ce que nous cherchons, c'est le temps T exprimé en minutes. Et pour trouver ce temps, nous allons appliquer la formule V égale D sur T. Puisque V vaut D sur T, le T vaut nécessairement D sur V. Donc le temps T est égal à la distance D, c'est-à-dire 36 km, divisé par la vitesse V, c'est-à-dire 90 km par heure. Nous voyons donc que le temps T vaut 0,4 heure. Et comme dans chaque heure, il y a 60 minutes, ce temps vaut 0,4 fois 60 minutes. Donc, le temps demandé est de 24 minutes. Voilà la réponse finale.